Allô tout le monde! Je vous présente Philippe. Philippe speaks English and Portuguese. And il va nous montrer, on est dans le marché public. Which market is this? Cadeg. Cadeg. Et il y a plein de fruits, plein de produits, on va passer vite. Mais premièrement, on va vous montrer quelque chose. C'est... Avez-vous déjà vu ça? C'est des cachous! Des cachous! Apparemment, c'est très tart. Et la noix est ici, vous voyez? J'avais jamais vu ça de ma vie. On a aussi fruits la passion. Fruits la passion. Ça, c'est des avocats. Ils sont ronds. Il y a deux sortes. Fait qu'il y a cet avocat rond comme ça. Size of your head. La grosseur de ma tête. Gros avocat. Avocat familial. Des cocos. Lime, évidemment. Melon. Là, le miel est une spécialité locale. Regardez s'il est beau, beau miel. Et on va vous amener, venez avec moi, on va vous montrer la morue. Le cresson est magnifique ici. Il y a du cresson partout. How do you say cresson? Cresson? Which one? Agrion. 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 C'est très bon pour vous. Excellent. La morue, bacalao. Donc la morue salée qui vient parfois du Portugal, parfois d'ici, parfois de la Norvège, me dit Philippe. Et on va bientôt aller manger des petites boules de morue. Pour la cuisine brésilienne, ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'attendrait à ce que ce soit très relevé, un peu comme dans les Caraïbes. Mais non, c'est pas très épicé, en fait. C'est très goûteux, très frais. Et ça ressemble un peu à la cuisine du Portugal. Et dépendamment des régions, ça change beaucoup. Il y a aussi énormément de pâtes à Rio, au Brésil. Et ce que me dit Philippe, c'est que c'est la deuxième plus grande colonie italienne au monde. Donc, il y a vraiment beaucoup de produits italiens qu'on trouve ici et de très bons restaurants italiens aussi. Je suis dans l'allée de la cachaça. Cachaça. What do we do with cachaça? Caipirinha. Très bon. Gostoso. Gostoso. What is it made with? It's a sugar cane drink. It's almost like a rum, but it's a different distillation from the rum. Okay. So I think it's like a one distillation less. One less. Like normally to get to rum, you distill sugarcane once and then you ferment it again and then you distill it again. And it gets old? And then the aging of the cachaça is different. They put into barrels. They were used for like bourbon and for whiskey. Okay. And they get the color of the wood and the bourbon that's stuck on the wood inside the barrels. And the clear ones are the best ones to make cachaça, so they're like super clear. Ah, to make caipirinha, the clear ones? Yeah, and to sip, you drink like the aged ones, which are like yellow. Ah, so only like shooters. Yeah, and sure. So this one you've recommended, is it white or is it to sip? This one is white. Okay. And I'm pretty sure there is. For caipirinha. So yeah. And this one is a very well-known brand, and they've done it for like years and years. And the bottle is beautiful. The bottle is nice. C'est très joli. Là, j'ai faim. On va aller manger. Ciao. Je dis ciao. Ciao, ciao. Philippe. Ciao.